Bonjour, je m'appelle Madame Francine Carvalho, présidente par intérim de AWEP Sénégal. J'ai ici mon bureau, Madame Charlène Moreira, chargée de la communication. La secrétaire générale, Madame Florence Adombi. Derrière moi, on a Mademoiselle Diallo Ramatoulaye, Madame Fay, chargée des finances, Madame Sanya Fatou Bintou, une de nos membres, et Madame Dacosta, une nouvelle membre. Cette journée a été initiée pour donner du sang, car donner du sang, c'est sauver une vie. Sénégalais, nous devons donner du sang. Non seulement c'est un acte citoyen, mais c'est un geste de foi. Nous devons donner du sang parce que les gens en ont besoin, surtout les femmes. Durant les accouchements, les femmes perdent beaucoup de leur sang. Et nous nous sommes rendus compte que le centre de transfusion sanguine fait des appels de demande de sang, mais les gens ne viennent pas. Donc nous avons pris en main d'organiser cette journée pour que les gens viennent du sang, viennent donner de leur sang. Depuis ce matin, les gens viennent, nos membres viennent, les étudiants viennent, parce que nous l'avons fait ici, au centre des œuvres universitaires. Les gens viennent au compte-gouttes et nous pensons que d'ici 13 heures, le nombre escompté, nous l'atteindrons, en tout cas. Voilà pourquoi nous avons initié cette journée-là. AWEP Sénégal est une organisation d'entrepreneuriat féminin. Nous travaillons dans des filières. Nous travaillons dans l'agrobusiness, le textile, l'industrie, l'agriculture et entre autres. Mais aussi nous avons une filière santé. Donc ayant une filière santé, donc nous sommes dans cette dynamique-là de la santé publique, d'être à la santé publique. Donc nous incitons les Sénégalais, quels qu'ils soient, s'ils ont l'âge de donner du sang, de donner du sang. Car donner du sang permet de connaître même son état de santé.